De faire du mix pour pouvoir échanger avec des professionnels qui viennent d'autres horizons. Pour mettre ma patte dans la musique. Pardon. Non mais Delphine, il faut partir, voilà. J'ai décidé de faire et du mix pour apporter ma... Ah, c'est pas naturel, je vous l'avais dit que j'étais à chier. Désolée, merci ma le plus important, c'était pour moi d'avoir un partage avec des collègues venant d'un petit peu partout, d'innovation pédagogique, sortir un peu de la zone de confort. Je vais pas y arriver. Et la formule du mix a l'avantage de pouvoir travailler, décloisonner, de réfléchir dans des groupes bienveillants à ces problématiques, de tout remettre en question. Parce que en fait, ça permet d'apporter un petit peu sa patte à l'innovation pédagogique, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ben, partons pour cette aventure, mais je ne regrette absolument pas. Si ça à refaire, je referai. On n'est pas crédible, bordel. On la refait. Une idée de travailler avec une équipe multidisciplinaire avec bah, les enseignants, les ingénieurs, bah, les citoyens, l'administration et, bon, et les artistes designers. On va pas y arriver, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. J'ai toujours été intéressé par l'enseignement, la pédagogie, et j'ai toujours été surpris par certaines méthodes d'enseignement. Je vais la refaire, mais je la tiens. Hein. Désolé. Donc... Ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes propositions autour de l'innovation pédagogique. Et en tant qu'enseignant, moi j'avais besoin un peu d'ouvrir mon esprit. Voilà.